Yahoo Buddy Rancher, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, je te retrouve donc avec grand plaisir pour la présentation d'un nouveau Yahoo et on va parler de Inside Full Bloom, si je prononce bien. En ce qui concerne donc ce Yahoo, nous sommes sur un manga des éditions Bozob et c'est un one-shot dans leur collection Anna. La série dans le genre romance et tranche de vie, l'œuvre date de 2018 au Japon et de janvier 2020, j'ai failli dire 2019, 2020 en France. Et nous sommes sur une série qui est âge concis aux 15 ans et plus. Pour terminer, on est donc avec le mangaka Wakame Kuki et apparemment l'auteur n'aurait rien d'autre de disponible en tout cas en France. On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures. Je te dirais très clairement que dans l'ensemble, je trouve l'illustration magnifique, même si j'ai un petit peu du mal avec la tête du garçon aux cheveux, on va dire rose. Mais sinon, en soi, j'adore l'illustration, en plus qui s'étire sur les deux côtés de jaquette et qui se prolonge un petit peu. Voilà, on a juste mis le même genre d'illustration, mais c'est tout. Donc je trouve ça plutôt sympa, j'aime bien quand on a une seule illustration. Donc on a des fleurs par rapport en fait à ce que dit l'un des personnages au tout début du manga, qu'on est dans la période du printemps qui permet donc de créer la relation machin. Donc on a joué là-dessus avec les fleurs. On a l'appareil photo qui est un objet phare du coup de la série. On va le retrouver donc très rapidement dans le volume. Et donc ça j'ai trouvé ça sympa. Quand on enlève la jaquette, on a deux illustrations inédites. Voilà, c'est pas, on n'a pas repris les illustrations de tout à l'heure. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Et quand on ouvre le manga, on a une sublime illustration en couleur qui est très très belle. Et je les trouve magnifiques parce qu'ils sont tous souriants. Quelque chose que je ne connais pas beaucoup. Donc ça me donne envie en fait. J'ai adoré aussi la page de sommaire. Et donc après, on commence directement le manga. Avec une très belle page de fleurs, mais qui aurait pu me faire très très vite décrocher. Ensuite, je voulais parler vite fait des pages entre chaque chapitre, mais en fait, je me rappelle voilà, qu'il n'y avait pas réellement d'illustration entre chaque chapitre, ce qui est un petit peu dommage, perso. Ça, c'est vraiment quelque chose, moi, qui me rend triste de ne pas avoir vraiment de pages, parce qu'on a ça, tu vois. Et après, du coup, la page suivante, par exemple, on va avoir juste les fleurs. Voilà, donc sans intérêt, l'autre, on n'avait rien. Voilà, c'est juste du... On essaie de tout décaler, mais c'est tout. Et donc ça, j'ai été énormément déçue par rapport à ça. Donc le petit mot, par contre, il était quand même plutôt fun à lire parce que mon premier manga, contrairement à ce que l'on pourrait croire avec son pseudo, en fait, il n'aime pas les algues parce qu'en fait, Wakame est une variété d'algues comestibles. Alors pourquoi t'as pris Wakame ? J'ai envie de te dire. Là, c'est le truc pas très très logique. Toujours est-il, voilà en ce qui concerne mon avis sur les couvertures. Il y a du pour, enfin sur l'ensemble des couvertures, il y a du pour et il y a du contre. On attaque avec mon avis sur, pour ce qui est de mon avis sur la qualité du dessin, je te dirais que je l'ai trouvé plutôt sympa, mais j'en suis pas spécialement fan. Et donc voici ma note. Pour ce qui est de mon avis sur le manga, à savoir en fait que je n'ai pas vraiment apprécié cette histoire. Même si je l'ai lu en entier parce que j'y ai tenu en fait de la lire en entier pour pouvoir vraiment la juger comme il faut. Mais je sais pas en fait, il y avait quelque chose qui m'attirait, qui me donnait envie de continuer et de lire quand même ce qui se passait. Mais en même temps, je n'aimais pas du tout ma lecture. On va être sur les aventures de deux jeunes hommes qui ont tous les deux eu un vécu qui a prouvé qu'en fait ils étaient une minorité, donc ils sont homo, et que bah, cette minorité fait pas l'unanimité disons. Mais l'un d'eux donc le cache à tout le monde et l'autre en fait a décidé de l'avouer publiquement. Ils se rencontrent lors d'une soirée, j'ai toujours pas retrouvé le nom, où on est c'est par exemple trois garçons et trois filles et donc on en profite pour la soirée pour rencontrer des garçons ou des filles et créer peut-être des couples. Et en fait les filles devaient venir à trois sauf que l'une d'entre elles n'a pas pu venir et en fait un garçon qui était dans leur école qui est gay vient avec elle. Et il annonce dès le départ hey salut vous inquiétez enfin je sais plus comment il dit ouais salut au fait je suis gay. Ok. Donc voilà, donc l'aventure commence comme ça et on découvre très rapidement dès le premier chapitre que donc il va avoir une mauvaise impression, celui qui donc du coup cache la vérité a une très mauvaise impression et une très mauvaise image de l'autre. Et finalement le soir, malgré le fait qu'il soit bourré, ils vont le faire. Alors à savoir en ce qui concerne les scènes charnelles, on voit qu'ils le font.
on voit les positions, on voit voilà qui sont l'un sur l'autre, entremêlés, machin, bidule, mais on ne voit à aucun moment l'entrejambe. Voilà, tu ne verras jamais l'objet, enfin l'objet, on va dire ça comme ça, le mach, la petite banane, ou le c'est quoi, ils utilisent l'aubergine comme emoji pour parler de ça. Voilà, tu ne verras pas l'aubergine du tout, à aucun moment, dans tout le volume, mais tu les vois le faire. C'est à savoir. Donc, en ce qui concerne le manga, j'ai aimé l'idée de base du scénario. L'idée était intéressante, mais je ne sais pas, je n'ai pas du tout accroché finalement à comment c'était développé, comment c'était fait. Et au final, je n'ai pas du tout réussi à accrocher à la série. Je ne te mettrai pas donc de notes en ce qui concerne le manga, parce que clairement, je ne pense pas être... en état. Non, c'est pas ça, mais je ne pense pas... être capable de donner une note réelle à ce manga, parce que honnêtement je lisais mais j'avais déjà décroché depuis une éternité, donc j'étais pas à 100% dedans comme j'aurais lu par exemple un autre manga que j'ai pu lire récemment, etc. Donc je ne me vois pas en état de te mettre une note, voilà, en état, je voulais pas le dire mais j'ai dit ça, mais bon. Je ne me vois pas mettre une note pour l'ensemble du manga, mais sache que voilà, je n'ai pas du tout accroché, je n'ai pas du tout été le public peut-être qui était visé. Pourtant, le scénario et le résumé, et même là tout à l'heure, juste avant de commencer la vidéo, j'ai voulu relire le scénario parce que ça fait 5 jours peut-être que je l'ai lu. Je voulais relire pour être sûre, et en fait, même en relisant, ça me donne envie de le lire. Quand je lis même la phrase d'accroche, ça me donne encore une fois de plus envie de m'y intéresser. Mais quand je lis le bouquin, voilà, il n'y a plus personne. Donc voilà, donc je suis énormément déçue. Ce qui est un petit peu dommage, c'est que c'est le premier yaoi que je lis du coup des nouveautés Boys Up de 2020. Et ça ça m'inspire pas des masses. Parce que autant j'ai commencé mon année 2020 en lecture avec un giga coup de cœur, autant mon premier yaoi, c'est un giga flop. Donc ça me rassure pas, parce que je me suis dit, peut-être que mon année, en fait, j'ai joué un truc à la con en me disant, mon année en lecture anime, enfin lecture manga, serait en reflet par rapport à ma première lecture de l'année, et ce que ça donnerait au niveau du résultat final. Et pareil, je me suis dit à peu près la même chose sur mon année yaoi, mais voilà, ça ne l'a pas fait. Donc je suis désolée, je peux pas trop expliquer, j'espère que d'autres personnes feront des présentations de ce manga, parce que bah, avec moi tu vas pas aller très très loin. Cette présentation du yaoi, du coup Inside Full Bloom, est donc à présent terminée. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura quand même plus, t'aura présenté un titre que tu ne connaissais peut-être pas. N'hésite pas à me dire, toi, si tu as lu ce manga, est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'as aimé? Et n'hésite pas à m'expliquer le pourquoi, en fait, tu as aimé justement cette série. Ça me permettrait peut-être de comprendre ce que j'ai loupé, peut-être, éventuellement. Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure. N'oublie pas, donc, je vais pas te dire de liker la vidéo, parce que honnêtement, voilà, elle n'était pas terrible, j'en suis consciente moi-même. Si j'avais pas eu à faire une vidéo et que j'avais pas eu du retard au côté lecture, clairement je l'aurais pas présenté, je te l'avoue. Ou je l'aurais présenté uniquement sur Instagram. Et donc je te retrouve bientôt pour une nouvelle aventure. Je te retrouve très vite pour de nouveaux yaoi. Sur ce, à bientôt et n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive. Bye !